Il ne prononce jamais son nom. Pourtant, le président de la République a été interrogé sur l'éventuel retour de Nicolas Sarkozy en politique, une candidature à la présidence de l'UMP que François Hollande a préféré banaliser que réellement commenter. Il ne m'appartient pas, comme président de la République, de commenter les éventuelles déclarations de candidature à la direction d'un parti. Une référence directe, mais aussi beaucoup d'allusions à son prédécesseur. Durant toute la conférence de presse, François Hollande a marqué les différences entre sa manière de gouverner et celle de son ex-rival. L'allusion au fait que lui n'avait jamais passé de coup de fil pour décider de qui serait à la tête de tel journal ou de tel groupe de presse. Ou alors quand il a dit « Depuis que je suis président, la justice est indépendante », comprenez, quand Nicolas Sarkozy était président, la justice ne l'était pas. Si François Hollande ne se confronte pas directement à l'opposition, c'est aussi parce qu'il a dévolu ce rôle à Manuel Valls, qui a déjà promis que ce serait chiffrage contre chiffrage et projet contre projet.